Hey, salut à toutes et à tous, Alex, comment vous allez? Écoutez-moi, ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur PCM 2015, la suite de notre UCI Cross Tour, l'avant-dernière étape, toujours leader avec Fabien Canal. Donc avant que cette vidéo commence véritablement, je vais tout d'abord vous remercier car vous avez été très nombreux à lâcher de likes. J'ai pas exactement le nombre en tête à l'heure actuelle, je pense qu'on doit être on a dépassé les 50 likes il me semble. Donc je vous remercie vraiment les gars. Vous avez bien répondu à mon appel en quelque sorte. Et vous montrez que vous êtes présent dans ces cas-là. Donc merci à vous les gars. Bonjour à vous mesdames et messieurs. Le relief est plutôt vallonné. Ça risque d'être une course très tactique. Histoire de se changer les idées un petit peu les gars, voilà. Pour pas rester à avoir peur tout le temps et tout. Donc on va véritablement se changer les idées aujourd'hui. J'espère qu'on n'a pas une forme trop dégueulasse en plus. Et on voit qu'il n'y a plus beaucoup de coureurs, on n'est plus que 42, il n'y a plus du tout de coureurs des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui étaient représentés pourtant avec Lars van der Haar. Et non, plus personne. Allez, Fabien Canal. Ça va pas être une course super intéressante, je pense. Bref, donc je vais vous dire exactement combien il y a eu de likes, combien il y a eu de vues aussi. Et en tout cas, je vous remercie les gars. Et autre chose à vous dire, après cette série, il y aura une nouvelle série, donc en 4 épisodes, 8 étapes. C'est un tour personnalisé que j'ai créé, avec 8 grosses étapes. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai un petit peu découvrir après cette UCI Cross Tour. Et la FAQ arrive également très bientôt. Je vais essayer de la tourner, le plus tôt possible pour que vous ayez la FAQ. Et voilà. Parce que je sais pas si... vous avez vraiment envie ou pas, mais je pense quand même qu'une FAQ ça va vous, ça doit vous tenter. Excusez-moi. Donc j'espère que voilà que je vais. Oh non! Oula! Un leader est tombé. Fabien Canal est tombé. Sur le déroulement de la course. Fabien Canal est tombé. Regardez, un coureur vient de tomber. Beaucoup de coureurs à terre là. Beaucoup de coureurs à terre et Kevin Powell a été retardé par la chute. Kevin Powell. Et où il est? Oulalalala, Fabien Canal. Fabien Canal est reparti, mais Kevin Powell était là. Oulala, on a réussi à conserver notre position. Mais terrible chute là. Terrible chute qui a entraîné beaucoup de coureurs à terre. Et ils reviennent les coureurs, c'est bien. Oulala, j'ai eu très très peur pour Fabien Canal. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Et de toute façon, je pense que c'est un gars respectueux qui aura attendu son coéquipier, son adversaire, et qui veut le battre à la loyale, même ça va être très très dur pour lui de battre un Fabien Canal qui est vraiment très très en forme, comme on a pu le voir sur l'étape précédente avec sa magnifique victoire devant Kevin Powell d'ailleurs. Victoire d'une très courte tête, voilà le peloton, pas d'attaque. On va voir qui c'est, il y a des coureurs lâchés un petit peu éparpillés de partout. Kevin Powell en queue de groupe. Allez, Fabien Canal, on va lui demander un petit peu de remonter le groupe là. Regardez, Hermann, c'est tout, ils sont là, mais on est là, le groupe de 24. Le Radio Tour annonce des coureurs en difficulté à l'arrière du peloton. On est en difficulté, je sais pas avec Kevin Powell, là, comment se fait-il que l'on soit en difficulté. Mais bon, on est lâché, on est juste derrière, il faut intégrer le peloton. Et on va faire des efforts. Donc merci les gars, 234 vues au fait sur la vidéo, je vous le signale. Et on est quasiment 750, donc c'est génial aussi. Et je vous remercie. Enfin, je vous dirai tout ça de toute façon dans la FAQ. Et 54 likes, voilà les gars, c'est super. Hein. 54 likes pour une vidéo comme ça. Je vous remercie pour le nombre de vues. C'est vraiment très très bien les gars, et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Allez, on est remonté dans le groupe là. Et on est en tête avec notre ami Fabien. Regardez, je vous présente un petit peu l'étape. Donc des petites bosses qui s'enchaînent. C'est très très dur. Personne devant. Le peloton, regardez, 42 coureurs, je sais plus comment on était sur la première étape. Mais là c'est impressionnant. Je comprends pourquoi j'ai pas le maillot de la République Tchèque et tout, c'est dommage. Bref. Ouais, ça va pas trop le faire là par contre, hein, si on est... Attendez, hop, on va demander à tout le monde de relayer, à part
Fabien Canal. Et voilà, hop, on va se mettre dans la roue de mes coureurs qui vont relayer. Allez, regardez, l'équipe de France qui amène le peloton là. C'est un petit peu loin, mais bon. On va voir s'il y a des coureurs en difficulté derrière. Et c'est les Italiens, un Polonais aussi, et les Italiens qui sont en difficulté. Il y a encore des Américains, mais il n'y a plus de coureurs des Pays-Bas. Pas de Lars van der Haar présent sur cette course. Allez mon Fab, là faut remonter. Fabien Canal qui est là, qui est présent et qui sait ce qu'il faut faire. Il a l'expérience. Il ne faut pas être lâché sur cette étape. Ça roule fort quand même, de gros tempo mis par mes coureurs. Kevin Powell c'est là après son retour. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Et là ça va. Ah, ils sont partis ou quoi les miens là? Non les gars. Bon, en fait, on va demander de rester plutôt dans leur groupe. Faut bien suivre la roue de Kevin Powell là. Là faut la suivre la roue de Powell. Oula! Pourquoi ils roulent les miens là? Allez les gars, voilà, tous dans la roue de Kevin. L'allure est visiblement trop rapide pour certains coureurs. Non, mais en fait, je me mets comme ça, comme un con depuis tout à l'heure là. Je suis énervé. Hop, on prend la roue de Powell, on enlève ça, on prend Fabien, voilà. Et Fabien, lui, il va remonter le groupe, voilà. Pourvu qu'il n'y ait pas de nouvelles chutes. Et c'est une étape qui a l'air pourtant très beau temps, c'est rare. On se prend tout le temps la flotte. Et trois maillots distinctifs qui sont là. Et j'ai envie de voir un petit peu les maillots, classement, voilà. Hop, là c'est Fabien Canal. Là c'est Kevin Powell, d'accord. Général par équipe, ok. Et moins de 25 ans, c'est Merlier. Il n'a pas de maillot. Si, il a un maillot un peu bizarre, oui, de blanc, mais bizarre. C'est pas le même maillot que Powell. Fabien Canal avec son maillot orange, il est là. J'étais habitué à le voir en rouge en fait, Fabien. Mais non, il est bien placé. 7 km/h, 10% de pente là, c'est violent. Et c'est les Belges qui roulent. Powell se prépare peut-être un coup. On va aller demander à. C'est l'hôtellerie qui va aller chercher les bidons. L'hôtellerie. Allez, il y a des lâchés. Il y a un lâché, c'est Owen. Oh là là, il est déjà mort en plus. Owen, oh le pauvre. Allez, on le voit un petit peu là. En fait, j'espère que vous avez vu, j'ai un petit peu changé les graphismes. Il y a des meilleurs graphismes. Car Knight, en fait, m'a conseillé de réduire la résolution, de mettre en 720p. Et de ce fait, en fait, j'arrive à jouer avec des graphismes un peu plus haut. Et je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc un grand merci à lui, qui adore en plus cette série. Donc dédicace à lui, qui regarde souvent cette série, qui laisse souvent des commentaires. Donc merci à lui et merci à vous tous d'ailleurs d'être nombreux à regarder mes vidéos. Voilà, on va se concentrer sur la course. 73 km. J'espère que vous prendrez pas trop de... Vous ne serez pas trop dégoûté de regarder cette course, mais bon, j'ai pas grand chose à faire, mis à part d'attaquer dans les 40 derniers kilomètres pour essayer de prendre du temps. Mais là, on va vraiment gérer la course. On accélérera à 50 km. Mais j'ai pas forcément envie de faire un x8 pour vous. Voilà, pour que vous quand même vous puissiez voir l'étape et tout. Mais sinon, je vous invite à passer pour regarder la fin, qui sera sans doute plus intéressante si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas forcément le temps. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Et la semaine prochaine, vous aurez le dernier épisode de cette série, qui a quand même pas mal marché. Donc je vous remercie les gars. Je kiffe le vélo des Belges. Regardez le Scott comme il est magnifique ce vélo. Putain, il est trop beau le vélo quoi. Bon, les BMC aussi des Français, ils sont pas mal. Les Allemands, ils ont quoi? Canyon. Ouais, la France, on est avec des BMC nous. Ah, on est comme ça nous. C'est les Allemands. Ouais, les Allemands, on a vu. Les Espagnols, ils ont quoi eux? Comme vélo. Ouais, ils ont Canyon aussi. Attention, un leader est décroché. Qui c'est qui est décroché?
Ouais, c'est Owen encore. Hein. C'est le leader ou pas, Owen? Ouais, c'est le leader des USA. Des USA, en plus, je dis des États-Unis, quoi. Des USA, les gars. Ah, les Français. Où est mon ami? Où est mon ami Kevin? Ah, oh, délâché. Owen, c'est pas une surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise pour l'instant. Et voilà, là, ça commence à devenir intéressant. Mais j'ai pas vu Powells, en fait. Ça... Je sais pas où il est, Powells. Kevin. Ah, il est en queue de groupe, Kevin Powells. En difficulté, regardez. Doublé par pas mal de monde, là. Kevin Powells, en difficulté, en queue de groupe. Regardez, il est là, Kevin. Bon, là, il arrive à remonter un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à tout le monde. Ah, il faut chercher des bidons, les gars. Il nous faut des bidons. Fabien Canal, il est en rade. Il a plus de bidons, pauvrette. Francis Mouret qui va aller chercher les bidons. Et là, c'est les Espagnols avec... Ruiz de la Larinaga Ibanez et Hernandez Gutiérrez qui sont là. Le Polonais Gil. Attention, et voilà, ils roulent là, les Espagnols. Très très bon rythme mis par les Espagnols. On va un petit peu reculer pour essayer de trouver Kevin Powells. Il est un peu loin, hein, Kevin, j'ai l'impression. Ouh là là, il est en queue de groupe. Il est mal placé, Kevin Powells. Francis Mouret, il est où? Ah, il est là. Faut remonter un petit peu, Francis. Et attaque. Attaque coureur américain. Ça paraît un peu audacieux comme tactique. Ça va. Est-ce que ça va réagir derrière, tout d'abord? Fabien Canal, lui, par contre, il faut qu'il reste dans son groupe. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et là, on va vraiment mettre en place notre... notre machine, voilà, 58 km, on va commencer à mettre en place. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Faut faire casser des coureurs. Ça va condamner le coureur américain devant, mais bon, je suis désolé pour lui. On veut reprendre du temps et on sacrifie nos coureurs. Parce que Kevin Powells, il m'a pas l'air énorme. Il m'a pas l'air énorme sur cette étape. Il était impérial sur d'autres étapes. Voilà, il remonte un petit peu le groupe. Mais là, il a pas l'air top. Il s'est fait bloquer dans la chute. Ça lui a peut-être mis un coup au moral. Mais Fabien Canal est bien revenu après sa chute. Cette côte présente de redoutables pourcentages. J'ai eu peur, hein, quand même, quand j'ai vu la chute de Fab. Certains coureurs sont décrochés. Et Francis Mouret, il va nous remonter les bidons ou pas, Francis? On est à mi-parcours. Les équipiers s'apprêtent à céder petit à petit leur place au leader. Allez, Francis, faut aller chercher des bidons, mon gars. Et regardez comme il roule là. Ah là, ça roule bien. Et Summerhill devant. Ils roulent à quoi, les Américains? Ils roulent en trek. Très très beau vélo aussi, hein, le vélo trek là des Américains. Allez, Victor Koretsky qui amène le peloton. John Gadré, Doubé, Lottellerie, Mouret, Venturini et Fabien Canal qui font un gros écrémage. Très très gros écrémage là. Est-ce qu'on va chercher des gars? Est-ce qu'il y a des gars qui pourraient être lâchés? Je vois pas Kevin Powells. Si, il est là, Kevin. Il est là, Kevin Powells. On va pas s'enflammer, hein. Ça continue de rouler très très fort. Ah, ça roule fort là. Là, ça roule fort. Regardez, on est quasiment revenu sur Summerhill. Et il va revenir. Et classement des jeunes provisoires. Ouais. Il y a plus que 5 équipes en même temps. Non, je sais pas combien il y a d'équipes en tout. Classement équipe. Non, il y a 10 équipes en tout. Danemark. Les Danois, ils sont loin. Ils sont à 3h28 en tout. Allez, on passe à la ligne d'arrivée. Il nous reste 46 km. Qu'est-ce qu'on peut leur demander à nos coureurs? Et ouais. Non, mais gros écrémage. Et Summerhill, il est toujours là. Ça roule. Et les Français qui roulent, ils sont là. Kevin Powell, c'est juste derrière Mawson.
Et les Français, ils mouillent le maillot aujourd'hui. Ils montrent qu'ils sont là, regardez. Tous présents. Il y a un Belge qui sent de remonter, c'est Hermans. Allez, 24 secondes, faut revenir hein, sur ce coureur. Faut revenir sur le coureur allemand, les gars. Sauf Fab. Sauf mon Fab qui va rester là. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Regardez le peloton bien amené pour l'instant. Allez Fab, allez mon Fab, là faut suivre. Ah Kevin Powells, qu'est-ce qu'il nous prépare encore notre ami Kevin Powells. Oulala. Ah, faut attaquer là. Faut attaquer, faut aller suivre Kevin Powells. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir. Les Français devant. Et voilà, il a vu des Français attaquer. Powells, il s'est dit, faut aller les suivre. Et derrière, on a notre dieu. C'est Fabien Canal qui, pour l'instant, gère sa course. Il est leader, il est là, il est installé tranquillement dans ce fauteuil. Mais attention, 35 km, ça peut être difficile. Et j'ai pas envie que Venturini nous... Non, qu'est-ce que tu nous fais, mon Ventu? Non, mais voilà. S'il va attaquer, il y va. Hein. Faut pas le laisser faire. Il revient, Fabien Canal. Non. Fabien Canal. Allez, mon Fab. Allez, Fab. Faut aller chercher Kevin Powells. Et devant, là-bas. Hop. Voilà, il attaque Kevin Powells. Il se mouille Kevin Powells. 1:28 pour l'instant de perdu par Fabien Canal. On peut perdre du temps. Regardez qui c'est qui revient derrière. Tous les Belges. Allez Venturini. Voilà, regardez, il accélère Venturini. Ah, il va nous faire un bon boulot, Venturini. C'est lui qui va peut-être nous aider. Et regardez, Venturini, le travail énorme pour l'instant qu'il fait pour Fabien Canal. 36 secondes, c'est sur notre groupe, sur nos coéquipiers. On est revenu sur eux, ils se sont fait complètement absorber. 1 minute 11 sur Kevin Powell. Qui est virtuellement deuxième du général à une seconde d'avance. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Allez, il faut qu'il se crame, il faut que tu te crames, mon petit, là. Allez, on les crame tous. C'est qui a encore? C'est Victor. Allez, mon petit gars, tu roules à fond. Allez, Fabien Canal et Venturini, pour l'instant, ils sont énormes. C'est clair, le peloton joue battu. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Une 44, ah là, ça va être impossible. Allez Fabien Canal, on attaque avec Fabien Canal. Va-t-il... Moi, ma question que je me pose, c'est est-ce que Mawson va y aller? Voilà, on est parti. Une 53, ça va... C'est chaud. Hein. C'est chaud parce que Powells est impérial là-bas devant. Powell c'est impérial. Kevin Powell c'est impérial. Mais il revient, regardez Fabien Canal pour l'instant qui a 19 km de l'arrivée. Qui n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot à Kevin Powells. 1 minute 32. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud d'aller chercher cette victoire. Ça va être chaud de ne pas perdre du temps. Mais c'est faisable. C'est faisable. Allez Fabien. Ah il est fort hein. Il est fort Kevin Powells là-bas devant. Il a fait un coup de bluff. Il a peut-être montré qu'il était moins bien. Il reste maintenant moins de 15 km. Les trois premiers du général qui vont s'expliquer. Merlier là-bas derrière. Et les Français. Il faut qu'ils passent en carte blanche les Français. Powells juste derrière. Fabien Canal. On le ramène. Mais bon, c'est pas grave. On va rebaisser à 70. Là, c'est impossible. Impossible de suivre le rythme de Kevin Powells. Ah, il est trop fort là, Kevin Powells. Je sais pas ce qu'il nous fait, mais.
Il nous fait quelque chose d'impressionnant, Kevin Powell. C'est impossible à suivre ce rythme. Et là, il est en train peut-être de reprendre la première place. Il la reprendra peut-être pas sur cette étape. En 12 km, ça va être très dur. Ça va être très dur. Il reste un tour de piste. Un tour de piste. Fabien Canal. Allez, il faut aller chercher Fabien. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. On est obligé de passer en effort curseur 65. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug de micro durant cette étape. Car j'ai réussi. Cette côte présente de redoutables pourcentages. J'espère que ça sera pas mal. Allez, allez mon Fab. Allez mon Fab. Je l'encourage. Il faut qu'il revienne. Mais regardez. Non, mais Powell, il va aller chercher sa victoire. Powell, il va avoir son. Il va avoir sa récompense. Kevin Powell, il en a déjà gagné une, il me semble. Il en a déjà gagné une. C'était la troisième ou la deuxième, je sais pas. Mais je sais qu'il en a gagné une. Kevin Powell. Enfin, il me semble. 7 km, on aura bien limité la casse quand même. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Oh là là, il va nous attaquer peut-être Mawson. 4 km pour Kevin Powell. Il va aller s'imposer. Il va aller chercher sa victoire, Kevin Powell. Il est impérial sur cette étape. Impérial le Kevin Powell. C'est peut-être pas celui qu'on attendait aujourd'hui. On attendait peut-être une riposte de Mawson. Mais Kevin Powell qui va reprendre du temps. Il arrive un petit peu, il cale un petit peu. Il repère du temps. 1 minute 36, il va quand même reprendre. Ouh là 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 là. Ah mais je me disais, il va pas vite. C'est normal, c'est ralenti. Ah Mawson, il nous a attaqué. Kevin Powell, qui va aller chercher sa victoire. Voilà, Kevin Powell qui savoure sa victoire. Il a le maillot de meilleur grimpeur, mais il est vraiment énorme. Il y a un petit bug là, non, au niveau des épaules. Il y a un petit bug. Voilà, il a des gros bras et c'est Mister Kevin Powell qui s'impose. Et qui va reprendre du... Magnifique victoire en solitaire. Il l'a bien mérité. Allez Fabien Canal, il faut terminer à fond là. Là, faut terminer à fond. On va perdre 1 minute 30... 40. 1 minute 40 de perdu. Allez, encore des Belges. Des Belges. Belges. Que des Belges sur le top 10, encore une fois. Ah non. Et Venturini qui fait une 10e place, c'est pas mal. Va-t-il avoir des abandons? Et non. Voici maintenant les points forts de la course que nous avons sélectionnés et qui retiendront probablement votre attention. Voilà, là, la page des résultats. Et oui, on voit que Kevin Powell est vainqueur. Mais regardez, il est deuxième. Non, il est troisième à 5 minutes 18. Donc, pour l'instant, on est vainqueur, les gars. Et regardez la dernière étape qui a l'air énorme aussi. Donc, je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour la... dernière étape de cette UCI Cross Tour. Les gars, je vous remercie d'avoir cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a fait plaisir. De mettre un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.